Yo YouTube, c'est Suzy, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce type de vidéo. Il s'agit du squat challenge de Marie-Sara. En tout cas, je suis vraiment trop contente de me lancer dans ce challenge parce que ça va pousser ma créativité, faire en sorte que j'ai de nouvelles idées, parce que ça va m'aider à ne pas m'ennuyer quoi dans les Sims tout simplement. Allez, sans plus attendre, on va se retrouver sur les Sims dans le casque pour la présentation de la Simset qui va faire en sorte de squatter les maisons des gens, voilà. Ça y est les gens, on s'est retrouvés sur le casse. Je vous présente notre chère Aïcha Benga, celle qui va faire en sorte de, que ce challenge se passe au mieux. Donc voilà, franchement je la trouve plutôt belle avec ses petites taches blanches. Je sais plus comment on appelle ça comme maladie. Je crois que c'est une maladie, hein, le végélité de... Végilitelmo. Bon bref, je sais pas comment on appelle ça. Mais bon bref, ça fait des taches blanches et puis voilà. Franchement, elle est trop belle. Je la kiffe, mais de ouf. Je vais vous montrer tout de suite ses tenues. Donc ici, nous avons la tenue quotidienne. Ici, nous avons la tenue habillée, la tenue de sport, la tenue de dodo, la tenue de fête, la tenue de maillot de bain, la tenue temps chaud et la tenue temps froid. Bon, comme vous avez vu, j'ai mis un peu dans le teint un peu rose, noir, blanc, tout ça. A few moments later. Aïcha Benga est une fille orpheline. Donc en fait, ses parents sont tous les deux morts. Ils ont disparu dans la mer. Donc en fait, ses parents étaient des gens qui travaillaient dans le métier des poissons. Donc ils sont partis un jour en mer faire de la récolte de poissons. Et ils ne sont plus jamais revenus. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué pour elle. Donc maintenant, elle s'est retrouvée avec plusieurs dettes qu'elle n'a pas pu éponger. Donc la banque a saisi sa maison et tout ça. Enfin, la maison des parents, pardon. Donc voilà, elle se retrouve un peu toute seule. Voilà. Donc elle va devoir aller vivre, enfin pas vivre mais squatter chez les gens pour pouvoir survivre. Sans plus attendre, je vais vous citer quelques règles que Marie-Sara a mis dans ce challenge histoire de le réussir et aussi pour qu'il y ait un peu plus de difficultés. Donc la première règle, c'est de créer un Sims adolescent avec pour trait de caractère kleptomane obligatoire. Deuxième règle, ne jamais acheter des meubles en mode construction tant que les fondations de la maison ne sont pas finies. Troisième règle, une fois qu'on a commencé à meubler, on ne touche plus aux fondations. Quatrième règle, possibilité d'acheter au marché aux puces. Donc il est fort probable que nous y allons au marché aux puces. Cinquième règle, vous avez la possibilité de gagner de l'argent en revendant des objets volés, en vendant des récoltes sauvages, des trouvailles dans la benne à ordures. Donc il est fort probable qu'on aille à Evergreen à bord pour pouvoir fouiller dans les poubelles histoire de vendre ce qu'on va trouver dans la benne à ordures. Sixième règle, vous avez la possibilité de satisfaire les besoins de votre Sims en allant chez d'autres Sims. Donc comme je vous ai dit, squatter quoi. Septième règle, ce n'est pas possible de squatter la même maison deux fois d'affilée, sinon c'est trop facile. Et votre Sims a le droit de squatter une maison par jour. Le futur conjoint de votre Sims doit être en couple, histoire de donner plus de difficultés à ce challenge. Vous avez la possibilité d'avoir recours à l'adoption ou avoir un enfant de manière naturelle. Ce qui veut dire vous pouvez soit adopter un enfant, un bambin ou un bébé directement, faire un bébé avec un papa ou... Vous avez compris? Votre Sims ne peut se mettre en couple qu'une fois qu'il a atteint l'âge adulte. Avant-dernière règle, quand on commence le challenge, il faut que l'adolescent soit adolescent. Et dernière règle, en tant que jeune adulte et personne âgée, votre Sims ne doit jamais avoir de métier. En revanche, son conjoint pourra avoir un travail pour subvenir aux besoins de la famille. Voilà, on a fini pour les règles. Sans plus attendre, on va se retrouver dans le gameplay. A few moments later. Donc voilà les gens, je me retrouve sur la map de Windenburg parce que c'est là que je vais habiter dans cette map. J'ai choisi le même terrain que Marie-Sara, donc je vais prendre celui-ci parce qu'il est plus petit. Allez, c'est parti, on y va. J'ai trop hâte. Allez, ça y est, on est arrivé. Oh là là, elle est tellement belle, Aïcha. Oh, je la kiffe de ouf. Faut pas oublier de mettre les codes pour pouvoir enlever le money là. Donc je tape testing sheets true et après je entre et après ça s'affiche là et après je tape monnaie 0, comme ça je me retrouve à 0 aussi. Non Bako, je laisse moi tranquille, je viens à peine de débuter quand même. Bon, étant donné que notre chère demoiselle ne va pas aller en cours, donc avoir des cahiers de cours ne lui sert à rien. Donc on a un sim flouze. Je propose qu'elle puisse aller commencer déjà à pêcher. C'est où qu'on pêche déjà? C'est ici, non? Allez, elle va faire un petit coup de pêche. Ah là là, je la kiffe tellement, notre Aïcha. Allez, dépêche-toi ma petite mistinguette. Elle a acquis la compétence pêche. Est-ce qu'elle va nous récolter du poisson? Ça, je ne sais pas. Par contre, je ne sais pas quelle maison je vais aller squatter en premier. Franchement, étant donné qu'on a le droit de squatter une maison par jour, et en plus j'espère que je ne vais pas me faire
faire virer parce que quand tu n'as pas le trait de caractère ici là, genre quand tu n'as pas ce trait de caractère logiquement quand tu te couches sur leur lit, aux personnes à qui tu vas squatter, quand tu te laves, etc., etc., ils te chassent en fait. On dirait que les poissons sont trop malins pour Aïcha dans le coin. Ok, bon, elle n'a pas attrapé de poissons. Ben écoute, ma belle, tu vas aller te présenter au comité d'accueil. Ils ont même pas ramené du gâteau ou je sais pas, un truc pour pouvoir manger. Ils sont radins ici à Wittenberg hein, quand même. Allez, elle va inviter le voisin à rentrer et elle va faire présentation. Écoute, accueillir le nouveau voisin. C'est qui vient? Remercier d'être là par politesse. Hein. Ensuite, elle va faire connaissance et elle va faire connaissance avec elle aussi. C'est où les horloges? C'est chez moi ou c'est chez eux? C'est qui elle? Elle aussi, c'est ma voisine. Accueillir le nouveau voisin. Non, mais franchement, ils auraient pu me ramener le cake aux fruits là. Vous avez vu, j'ai réussi à trouver le mode pour réduire le prisme juste ici. Bon, je pense que là, on va arrêter le comité d'accueil hein, parce que c'est mon flemme. Je pense que là, on peut aller directement à Evergreen Abbor. Hein. Allez, go à Evergreen Abbor. Hop. Allez, on va aller sur ce terrain-ci. On est arrivé à Evergreen Abbor. Il me semble qu'il y a une benne juste ici. Ouais, il y a une benne juste ici. Ah, mais on peut rien faire pour le moment. Il n'y a pas un truc pour aller pêcher ici. Non, mais vas-y, ça va clairement me saouler, en fait. Non, mais il n'y a clairement rien pour pêcher, quoi. Ah, j'ai trouvé un truc pour creuser. Non, mais franchement, c'est chaud, hein, si à chaque fois, il n'y a rien pour pouvoir pêcher, fouiller dans la benne ordure. Ça n'a pas de sens. Allez, ça y est, elle est arrivée. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé une mystérieuse capsule. Attends, je vais voir si maintenant je peux. Ok, si tu veux, tu aimes les jeux vidéo. Du coup, les gens, je sais pas qu'est-ce qui a pris à mon logiciel. Ça n'a pas enregistré lorsqu'on était à Evergreen Abbor. Du coup, je me suis retrouvée ici parce que pendant que j'étais en train de tourner, j'avais dit qu'on allait venir dans cette maison. Mais je comprends pas pourquoi ça n'a pas capturé en fait. Bon, elle va aller prendre quelque chose à manger. Elle va prendre un sandwich jambon fromage. Regardez-moi ce sandwich là, il a l'air tellement bon. Elle est pas trop belle Aïcha, franchement, elle est trop magnifique. Ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi, j'avais volé une lampe. Franchement, mais je comprends pas ce problème là de capture. Parce que si ça fait ça à chaque fois, j'ai pas envie de perdre mon travail pour rien en fait. Allez, elle va nettoyer la petite assiette. Allez, c'est parti, elle va aller essayer de voler cette petite lampe. Espérons qu'elle ne se fasse pas choper. Allez ma belle, pêche-toi. Ça y est, elle s'est pas fait choper, c'est très bien. Elle a atteint le niveau 2 de la malice. Donc, qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre? Mais elle va où là? Ah, d'accord, elle va s'étirer. Tu vas complimenter la maison. Ah, bah tiens, on peut embêter. Ah, mais je savais pas. Allez, hop, tu vas l'embêter. J'espère qu'il va pas mal le prendre. Ah, mais il pue, va te laver toi. Tu vas lui donner un petit coup de hanche. Oh, ah, il aime pas. Ah, il aime pas. Aïcha, c'est bon, quitte, 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 quitte. Oh mon dieu, Aïcha, tu vas te faire virer de la maison sans avoir eu le temps de squatter. Hein. Allez, présentation amicale. Tu sais quoi, elle va aller jouer. Ah, mais on peut pas dépenser. Ah ben non, j'ai pas envie de dépenser, moi. Ça a l'air trop bien, ça, là. Ah, elle a perdu. Allez, dans 19 minutes, on pourra encore voler quelque chose dans cette maison. Je vous rappelle que le lendemain, je ne pourrai plus squatter cette maison. Donc, je vais devoir attendre minuit pour pouvoir... je crois, c'est ça. Hein. Je vais devoir attendre minuit pour pouvoir... avoir encore une nouvelle maison à squatter, hein. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais voler là? Ah, ça ouais, pourquoi pas. Après, je peux essayer de voler ça. Ah, mais non, ça je peux pas voler. Je peux essayer de voler ça, hein. Mais j'ai peur que ça rapporte pas beaucoup. Écoute, va essayer de voler la lampe. Allez, dépêche-toi, Miss Tinguette. Elle a réussi à voler sans que personne ne puisse la soupçonner. C'est très bien. Bon, maintenant, le problème, ça va être de dormir. Parce qu'il faudra attendre qu'il dorme pour pas qu'il puisse me déranger. Je pense que après, je pourrais voler les deux nounours, là. Et ça, non, ça, je peux pas voler. Et ça, ça non plus. Ah, ça, je peux voler. Ah là là, je suis tellement contente de faire ce challenge. Les gens, vous pouvez même pas vous imaginer, en fait. Bon, écoute, tu vas te renseigner sur comment faire crac-crac. En plus, ça tombe bien, c'est des filles. Donc, elles vont être de bons conseils, je pense. En fait, les Sims, je comprends pas pourquoi ils font pas manger pour tout le monde. Ils font seulement à manger pour eux. Elle a acquis la compétence comédie. Ok, c'est bien. Ouais, je vais plutôt parler avec les filles parce que avec les filles, je me sens bien. Il n'y a rien dans l'inventaire. Attendez, on va vendre ça. On a oublié de le vendre. Voilà, c'est ce qu'on avait récolté à la pêche au tout début là. Donc elle a 71 simflows. Elle veut aller faire un peu d'ordi. Allez ma belle, va faire un peu d'ordi, comme ça, ça fait passer le temps. Ah mais je peux carrément voler ça aussi, j'avais oublié. Allez les gens, on va essayer de voler le maximum de choses dans cette maison. Les lampes, les nounours et tout et tout. Elle a acquis la compétence programmation. Ok, ah là là, elle est trop mignonne. Franchement, je la kiffe de ouf. Bon, là ça y est, on peut... Ah mais attends, attendez, pendant qu'il y a personne, on va essayer de voler juste ici. Allez, vas-y, vas-y.
vas-y, dépêche-toi. Allez. Voilà, c'est bon. Elle a atteint le niveau 3 de la compétence malice. Oh là là, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était une porte ouverte juste ici, là. Bon, maintenant, faut qu'on cherche à dormir. Allez dormir, en fait. C'est bon, allez dormir. Je vais voir si je peux aller faire une sieste juste ici. Allez, vas-y, ma belle, va te reposer. Comme ça, demain, enfin, on va sur notre terrain pour pouvoir déjà voir ce que ça nous a rapporté. Oh, mais non, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non, vas-y, éteins. S'il te plaît, me dis pas qu'ils ont rallumé encore. Ah, j'ai eu peur. Allez, vas-y, fais une sieste juste ici. Allez, hop. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle peut pas dormir? Non, fais une sieste. Bon, attendez, je vais voir si je peux aller faire une petite sieste là. Allez, dépêche-toi, ma chérie. Dépêche-toi. Ne prends pas trop de temps. C'est inapproprié. Arrête. C'est qui m'a dit ça? Elle là, Jade. Non, mais vas-y, Jade, arrête de forcer. C'est bon. Non, viens ici. Tu vas voler cette petite ours. Personne ne t'a soupçonné. C'est déjà bien. Tu vas prendre quelque chose de rapide et tu vas prendre une compote de pommes. Allez, vas-y, va prendre ta compote de pommes. Voilà, elle va manger tranquille, Willou. Attends, tu vas où pour manger là? Je comprends pas les Sims pourquoi ils veulent toujours manger dehors en fait. Oh là là, n'était pas trop belle. Franchement, regardez là, elle est magnifique. Franchement, elle est trop trop belle. Allez, elle a fini son petit repas. Elle va nettoyer ceci. Ensuite, après, elle va aller faire un petit pissou. Et bon, la douche, on la prendra le lendemain matin avant que qu'on nous éjecte parce que je pense qu'on a déjà eu deux avertissements. Ensuite, après, elle va aller prendre une douche rapide. Allez, non mais vas-y, te lave pas les mains, c'est bon. Tu vas te laver les mains directement dans la douche. Allez, dépêche-toi ma bichette. Ah, zut, on a été sermonné, mais bon, je m'en fous, le besoin, il est remonté à bloc. Et attends. Tu parles à qui, toi, là? C'est à qui tu parles? C'est à moi? Tu vas la crier dessus? Elle se prend pour qui, elle, là? T'as même pas honte, là, tu refuses de l'eau à quelqu'un. Ne m'écris pas dessus. Dans une minute, ah ben, ça tombe bien, tu vas aller voler ce truc-là. Allez, vite. Voilà, c'est bien. Bon, écoute, tu sais quoi? On va faire une sieste et... Ah ben, voilà. Bon, ça suffit, je vais devoir te demander de partir. Ben, je m'en fous, de toute façon, j'ai volé vos trucs, donc... C'est dommage qu'on peut pas se battre. Ah, attends, je vais la pousser un peu, là. Non, sors pas! Bon, vas-y, c'est pas grave, il est déjà 6h. On a réussi, les gens, à voler des trucs. C'est vraiment... divin, c'est vraiment trop bien. Ah là là, je suis trop contente. Allez, accélère un petit peu ma bichette. Je vous rappelle qu'elle a pas le droit d'aller en cours. Allez, réveille-toi ma bichette, il est déjà 10h. Là, je pense que tu t'es suffisamment assez reposée. D'autant plus qu'on doit attendre le lendemain. Enfin, on doit attendre minuit pour pouvoir aller squatter, je crois, chez quelqu'un d'autre. Allez, on va rentrer à la maison. J'espère vraiment que les choses là vont coûter cher hein, parce que je veux déjà commencer à construire ma maison. Ça y est, on est arrivé à la maison. Non mais elle est trop cutie, Aïcha. Franchement, je la kiffe, mais de ouf. Bon bref, ne nous emballons pas. Donc ça, ça coûte 35 simflouz. Ça, ça coûte 45 simflouz, ok. Ça, 90. Oh, ça va. 180 simflouz. Et ça, 135. Donc ça veut dire c'est 270 simflouz. Bon, écoutez, c'est un bon début. Elle va où là? Hein? Ils avaient laissé le cake? Ah, mais c'est trop bien. Ah, ben merci. C'était un bug, je crois, non? Non, mais franchement, les gars, vous êtes témoins. Ils m'ont pas donné de gâteau. Bon, je pense que c'était plutôt un bug. Hein. Ok. Bon, après, je pense qu'on va aller à Evergreen à bord pour pouvoir aller fouiller dans les bennes. Et là, j'espère vraiment qu'il y aura des choses dans la poubelle parce que sinon, ça va clairement m'énerver. Ça y est, on est arrivé pour la deuxième fois à Evergreen à bord. Donc, je vais aller directement voir si on peut fouiller dans la benne. Mais wesh, on peut rien faire. C'est vraiment saoulant. Bon, attends, je vais essayer de mettre ça dans la benne. Chercher des trouvailles. On peut le faire que 3 fois, donc voilà. Allez, bichette, speed-toi un petit peu. Voilà, elle est arrivée. Ça doit être dégueulasse de fouiller dans la poubelle comme ça. Avec le jus et tout. Oh, ça me dégoûte, ça me répugne. Même l'odeur, là. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Ah, elle a trouvé une pièce d'amélioration écologique. Ok. Allez, dépêche-toi de nous trouver quelque chose, ma bichette. Elle a trouvé quoi? Elle a trouvé un colorant rouge brique. Ok. Allez, trouve-nous quelque chose. Là, ma chérie. Oh mon Dieu, l'odeur. J'imagine pas l'odeur. Oh, Aïcha a trouvé ceci. Lit double compagnie inattendu dans la benne à ordures. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Est-ce que je peux remettre ça dedans? Non. Et ça, je peux le remettre dedans? Ah oui, c'est trop bien. Allez, chercher des trouvailles. Et rechercher des trouvailles. Ah, mais c'est trop bien. Trop bien. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé une commode horizontale Zest dans la benne à ordures. C'est cool. Oh là là, franchement, c'est dégueulasse, les gens. Aïcha a trouvé des matériaux recyclés. Oh mon Dieu, il y a un rat, là. Il y a un rat. Vous avez vu? Ici, son hygiène commence à baisser. Ben, en même temps, c'est normal, ma chérie. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé 5 simflouz. Ok. Ah, ben, tu peux encore refaire chercher des trouvailles. Pourquoi pas? S'il te plaît, trouve-nous quelque chose de bien, là.
Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé ceci, colorant. Ok, elle peut chercher encore des trouvailles, c'est cool. Oh mon dieu, je veux trop qu'elle trouve beaucoup de choses. Oh mais toi quitte là, je suis en train de faire mes affaires là, vas-y bouge. Oui je sais, je pue. Allez, elle a trouvé encore un colorant. Allez, chercher des trouvailles encore. Je sais ma chérie, je sais, mais en plus là tu dois attendre minuit pour pouvoir aller squatter notre maison. Elle a trouvé 23 simflouz, ok. Tant qu'à faire, tu vas continuer à chercher des trouvailles. Moi, je veux grave déjà commencer à construire ma maison, en fait. Elle a trouvé un pisse. Ça peut grave nous servir, en fait. Oh, j'ai trop la rage. Mais bon, vas-y, je pense qu'on va le vendre. On n'a pas le choix. Elle a trouvé un meuble de cuisine. Oh, c'est trop bien. Franchement, là, ma chérie, Aïcha, t'es trop forte. Allez, trouve-nous encore des trucs, là. Allez, Miss Tangle, je sais que c'est pas facile. La pauvre. Oh, j'aimerais pas être à sa place. Allez, dis-moi que t'as trouvé quelque chose, s'il te plaît. Bon, elle a rien trouvé. Allez, encore une fois. Et puis après, je pense qu'on va aller sur le terrain pour pouvoir voir ce que tu as récolté, quoi. Allez, fais vite, fais vite, fais vite, ma belle. Allez, qu'est-ce qu'elle nous a trouvé? Encore? Mais elle aime trop ça. Bon, écoute, vas-y, vas-y. Moi, je, franchement, les gens, je sais, je force, mais je veux trop qu'elle trouve des trucs. Elle a trouvé quoi? Encore le sérum, là. Beaucoup de sérum, hein. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé un simi Père Noël. Bon, écoutez, je pense que on va rentrer à la maison pour pouvoir voir que cette petite mistinguette a trouvé. Allez, ça y est, on vient de rentrer à la maison. Allez, ça... Ça coûte 6850 simflouz. Oh mon dieu, je suis trop contente. Ça, c'est 535 simflouz. Et ça, c'est 25 simflouz. Eh mais les gens, je suis trop contente là. Je vais pouvoir commencer à construire ma maison. Non mais les gars, sérieux. Ah, je suis trop contente. Bon bref, bon, calmons-nous. Faut que je me calme, sinon là, ça va partir en cacahuète. Bon, en fait, je sais pas quel type de maison pourrait m'inspirer là, tout de suite. Hop, je le vois comme ça. Non mais franchement, les gens, je suis pas forte en construction, hein. Comme ça, après, voilà, comme ça. Je dirais même un de plus. Après, comme ça. Voilà, là, il reste déjà 6479. Franchement, je... Les gens, je suis en train de construire, mais je ne sais vraiment pas quoi faire. Voilà, vous avez compris. Comme type de maison, quoi. Franchement, j'en ai aucune idée. De toute façon, on verra. Bon, voilà. Je sais pas si je mets la maison en étage, parce que là, pour le moment, la maison, elle ressemble à une croix. Ouais, je pense que là, ouais, je vais carrément faire un étage. Franchement, les gars, moi, je suis pas très 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 forte en construction, quoi. Donc ici, je crois que je vais laisser un petit truc parce que je vais faire un balcon ici. Allez, hop, ça sera aussi une chambre. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oh mais attends, ah là aussi ça pourrait être voilà, je pense que on est plutôt pas mal là. Franchement, je trouve que vraiment on est pas mal. Ou peut-être ici on mettra le salon, la salle à manger et la cuisine. Ensuite, après, en haut, nous aurons les toilettes juste ici. Peut-être ici, nous aurons une petite salle de jeu pour l'enfant que nous aurons. Ici, je vois bien la chambre. Attendez, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Attendez. Juste ici, je pense qu'il y aura la chambre de la petite ou du petit. Voilà, peut-être que je vais faire ça ici. Et en plus, il faut que je rajoute des escaliers. Mais du coup, je sais pas quel type d'escalier prendre, en fait. Ah, mais j'ai pas assez. De toute façon, on verra à l'épisode prochain. On pourra améliorer dans cette maison. Déjà, je vais mettre un peu de terre, histoire que ça soit un peu plus, voilà, réaliste. Normalement, je devais pas mettre tout ça, mais bon, vas-y, c'est pas grave. J'arrangerai au fur et à mesure. Faut que je fasse attention. Faut pas que j'oublie, parce que j'ai pas envie de perdre ce challenge dès le début. Je fais vraiment n'importe quoi. De toute façon, je vais réduire ça un peu avec la gomme. Bon, déjà ça, on va le virer. Et on va plutôt mettre de la pierre. Parce que vous savez que moi, j'adore la pierre. J'adore tout ce qui est carrelage. Je vais mettre ça juste ici. Voilà, comme ça, ça me fait mon petit chemin et tout. Bon, pour la boîte aux lettres, je sais pas si je mets ça, très clairement. Ou si je mets ça, j'en ai aucune idée. Mais je pense que d'abord, je vais partir sur ça. Enfin, en fait, je veux tester ma créativité parce que d'habitude, je construis jamais rien. Ça y est les gens, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode du Squat Challenge que Marie-Sara a annoncé. Bon, en tout cas, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai vraiment kiffé, j'ai adoré. Vraiment, c'est un challenge vraiment que j'affectionne. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à mettre un gros pouce en l'air, à commenter et à t'abonner parce que ça me fait toujours super plaisir. Ça ne coûte rien et ça fait toujours super plaisir d'avoir de nouvelles têtes sur la chaîne. Et jusqu'ici, portez-vous bien et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye.